Hello, 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 c'est JKB de retour dans Dawn of Man. Troisième épisode de cette série, toujours sur la carte Continental Dawn. Et donc nous sommes dans notre quatrième hiver, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être pas déjà le cinquième, donc quatrième hiver. On a ici quelqu'un qui a un peu froid et qui va d'ailleurs aller se chercher des vêtements un peu plus appropriés. Notre tribu a plutôt bien avancé jusqu'ici. Donc nous sommes 12 personnes. On était un petit peu plus à un moment, mais il y en a qui sont morts à la chasse et il y en a qui sont morts d'infection de leurs blessures de chasse. Donc on a une population de 12 personnes sur une capacité totale de 18. Actuellement, cette population de 12 personnes comporte 4 enfants qui ne peuvent pas participer aux tâches lourdes. On a avancé au niveau technologique au travers du paléolithique dont on a presque tout pris puisqu'il y a juste la spiritualité qu'on n'a pas débloquée. Et on est actuellement dans le mésolithique où on a déjà bien progressé. Donc j'ai tout à fait espoir qu'aujourd'hui, dans cet épisode-ci, on en aille jusqu'au néolithique et qu'on fasse nos premiers pas dans l'agriculture, ça serait pas mal. Voilà. Donc on va déjà mettre ça en plus rapide, les laisser traverser l'hiver. De nouveaux devenus, deux immigrants, et on a un commerçant qui nous propose rien d'intéressant pour l'instant. Ah si, peut-être la farine, je vais peut-être prendre la farine. Alors je vais prendre la farine et je vais la payer avec des os. Quatre os pour une valeur de 8, 6 farines pour une valeur de 8. Ok, c'est pratique, il a une commission qui est basse à ce commerçant-ci. Donc allons-y. On a de la farine, cette farine va pouvoir être transformée en pain. Et va être consommée. Donc ce pain va être consommé. On n'a pas besoin d'une technologie en particulière pour transformer la farine en pain. Par contre, on aura besoin d'une technologie particulière pour pouvoir transformer les céréales en farine. Donc pouvoir exploiter les céréales sauvages qu'on a dans la nature. On ne peut pas encore récolter pour l'instant, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. 10 arcs. C'est bien ça. 10 arcs pour 9 adultes. Bientôt la fin de l'hiver. J'ai beaucoup de gens qui sont oisifs, donc je vais déjà construire une tente en plus. On va la mettre quelque part par ici. Se mettre là, ça va laisser un passage. Allez-y. Ouh, j'ai un animal blessé là. Toi, t'es une cible facile, tu vas mourir. Et vous deux aussi, vous êtes des cibles plutôt faciles, vous allez mourir aussi. Notre point de connaissance en récompense. Ouh, un ours qui vient avec une attitude menaçante. C'est aussi ça l'avantage d'avoir des chiens, c'est qu'on est prévenu d'avance. Si les gens pouvaient intervenir avant que cet enfant se fasse buter. Ah, bah il me l'a tué. Bon bah, on aura perdu un enfant. Non, c'est pas les vêtements qui m'intéressent. C'est l'enfant en dessous. Ce sont les choses qui arrivent. La rude loi de la nature. Mais donc oui, grâce à nos chiens, on a quand même été prévenu qu'il y avait cette attaque. Sinon on aurait été mis devant le fait accompli et prévenu de l'attaque au moment où la première baffe serait tombée. 10 points de connaissance. Bien. On va pouvoir donc prendre ça.
lissage de pierre qui va nous permettre de faire des outils plus évolués en silex. Donc on va faire 2, 3. 3 de ces serpes. Et on va faire 5 bons couteaux en silex. Qui seront plus efficaces que des bifaces pour toutes les tâches de découpe. Donc on va se retrouver à pouvoir dépecer les animaux plus vite. Dans notre abattage sélectif, toi tu vas tomber. On a des belles réserves de. On a des belles réserves de bois pour l'instant, mais. Bon, ça se dégrade très lentement. Très très lentement. Donc on peut faire des réserves d'avance, et puis ça, ça nous permettra d'avoir de la place libre pour qu'on ait des plantes plus intéressantes qui se développent à cet endroit-là. Ça va, on a une naissance pour compenser le décès récent. Les choses se mettent bien. On va te créer quelques traîneaux en plus. Ouais, on va en faire 3 de plus, ça sera bien. Alors je vais mettre ici une vue des différents moyens de transport. On a 3 traîneaux. 3 traîneaux pour 14 personnes. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu insuffisant. Un groupe de loups ici. Les deux petits, on allait me les capturer. Et les trois grands, vous allez me les tuer. Quatre grands. C'est bon ça. Mes nouveaux traîneaux sont en cours de fabrication. Très bien. Fabriquer un deuxième séchoir à grande. Les loups ne se laissent pas faire quand on les sauve et tuer. Mais dans le fond, ça ne change rien. Oh, on a eu une victime. On a eu une victime. On a une vieille femme qui a été tuée par un loup. Ça fait un peu conte de fées, dit comme ça. Bon. Deuxième séchoir à viande. Ça, on sera déjà prêt pour une éventuelle augmentation de population. Et ici dans l'alignement du premier, c'est bien en fait. Et le bien-être est en train de remonter, donc ça va. Il nous manque ici deux cuirs qui n'ont pas encore été transportés parce qu'on les a. C'est juste une question de transport. On est en été, donc ils sont assez occupés avec les récoltes de baies, de fruits. Donc c'est comme je disais à l'épisode précédent, on n'a pas besoin de vraiment les micro-gérer parce qu'ils savent, eux-mêmes régler les priorités des actions. Ils font ça assez intelligemment. Ouh, ce vendeur me permet d'acheter la spiritualité. Un achat de technologie. Et je pourrais le payer avec... Ah non, commission élevée, donc 150, ouais, non, dégage. Je vais pas te filer pour 150 ressources pour une technologie à 5 points de connaissance. C'est pas question. Si on était plus avancé, je dis pas. Mais là, c'est cher payé, quoi. Une attaque de loup ? Ah non, c'était un de ces loups qu'il fallait encore chasser. D'accord. Bien, bien, bien. Au niveau de l'outillage, ouais, bah, je vais peut-être faire déjà deux serpents en plus. Alors ici, je vais avoir de la récolte. J'ai quelques céréales dans la zone. Ici, je vais en avoir aussi. Ah oui, ici c'est la récolte de branches. Ok, et dans celle-ci, ouais, je devrais en avoir aussi. Hein.
Bon, ça c'est du lin, je peux pas encore le traiter. Peut-être mettre une zone de récolte quelque part où j'aurai plus de choses à récolter. Ici ça va me faire des fruits et des noix. C'est le châtaignier, ça j'ai dit. Oui, c'est le châtaignier, on arrive à l'automne. C'est impeccable. Ça va nous faire des noix qui se conservent bien plus longtemps que les fruits. Parce que je n'ai pas encore la technologie de... Oui. C'est logique. C'est tout à fait logique. J'ai un peu mis la charrue avant les bœufs du coup à produire déjà des serpes. Il me faut 2 points de connaissance en plus pour pouvoir aller récolter les... Pour pouvoir aller récolter et traiter les céréales sauvages. Est plein. C'est pas grave. Pas encore. Bon, on va déjà faire une espèce de petite extension alors. On va se mettre comme ça. Ça va nous faire un accès et puis on va construire. Deuxième foyer par ici. Un foyer, je dis. On va le mettre ici. Deux nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc, c'est pas plus mal qu'on construise aussi de l'espace en plus. Lance la production de vêtements pour les nouveaux venus ou ils sont déjà habillés? Si j'ai pas de nouvelle production de vêtements, c'est qu'ils étaient déjà habillés. C'est toujours bien de pas devoir s'en soucier. Et puis on va leur faire des vêtements pour l'été. Ça nous fait 6, 8, 10, ça nous amènera à 16. Tout le monde aura des vêtements en cuir léger pour l'été. Vu qu'on a une nouvelle naissance entre temps. 6 points de connaissance. Vivement le 7ème. Et l'angle, j'aurais pas à en prendre d'autres, donc ça va être ceci. Donc le traitement de la céréale et le traitement des légumineuses. Qui vont nous permettre de consommer les céréales et les légumineuses sauvages avant qu'on arrive à la phase néolithique où on domestiquera tout ça et on les cultivera nous-mêmes. Que vend ce marchand? Rien qui m'intéresse, rien qui m'intéresse. L'hiver est là, les gens sont oisifs. Est-ce qu'on a des animaux à tuer? Pas des animaux qu'on pourrait tuer. Vous allez me tuer tout ça. Vous allez me tuer tout ça. Prenez votre temps. Après tout, entre les arcs et flèches et les frondes, on devrait s'en sortir. Voilà ici nos vaillants chasseurs qui sont en chemin. Ok, un premier. Mouflon qui s'est échappé alors qu'il est déjà blessé, non, insistez dessus. Continuez la chasse pendant l'orage. Toi tu vas y passer aussi. Ah, quoique,
putain un peu loin. Ouais, ça fait vraiment partir trop trop loin. Et là on voit qu'on a un bâtiment qui s'est dégradé avec le temps et qui nécessite des réparations. Et pour les réparer, il va nous falloir une peau sèche et deux branchages. On a des peaux sèches, on a des branchages. Donc c'est toujours nécessaire de garder un certain stock de tout. Donc par exemple les peaux sèches, ne pas toutes les tanner. Histoire de justement pouvoir couvrir ses besoins en réparation. Parce que sinon à force, un bâtiment qui se dégrade, il va finir par être détruit. Échappé. Non, t'es tout blessé. On va insister. Un point de connaissance en plus, je peux prendre le traitement des céréales sauvages. Et ça, ça me permet de construire des mortiers. Mortier et pilon, hein, on parle pas de mortier d'artillerie ici. Des mortiers qui me permettent de transformer les céréales en farine. Et ensuite avec cette farine, on va pouvoir faire du pain. Un nouvel humain qui est né. Oh, et ici j'ai quelqu'un qui est blessé, gravement blessé, donc on va l'achever. On est au printemps. Et alors je vais avoir encore pas mal d'ordres de chasse qui sont en cours de route. Ah non, c'est bien ça. Donc on va pouvoir en donner de nouveau. Qu'avons-nous comme bête par ici? Alors on a ici ce jeune rhinocéros laineux qui va y passer. Tout ce groupe là. Il va y passer, peut-être proche du village, c'est pratique. Et peut-être qu'après on verra pour le mammouth ici. On voit qu'on a des gens qui sont en train de ramasser le résultat de la campagne de chasse précédente. On a des peaux qui sont ici, on a des os qui sont ici, et on a quelqu'un qui est venu avec un chariot pour ramasser tout ça. Enfin un chariot, un traîneau pour ramasser tout ça. Donc tout ceci va se retrouver dans nos réserves, dans le village. Et on a de la viande qui sèche en grande quantité. Très bien, on va pouvoir bien reconstituer nos réserves de nourriture avant l'hiver. Parce qu'après tout, on n'est que au printemps, donc on n'a même pas encore les récoltes de fruits, on n'a pas encore les récoltes de baies. On n'a pas à l'automne les récoltes de céréales et de noix. Uniquement de châtaignes en fait. Et d'ici là, on aura peut-être même assez... Est-ce qu'on peut gagner 4 points de connaissance d'ici l'été? Je ne pense pas. Donc, on ne récoltera pas de légumineuses cette année-ci, je pense. Quoique... Quoique. Non. Laissez comme ça, non. Insister. Hein. Insister, les gars. Où est-ce qu'on est ici? Hop, rentre à la maison. Marchand est arrivé. Ce marchand me propose toujours avec une commission élevée d'acheter sa technologie qui me manque, mais c'est une commission élevée, donc pas question. Même. Non, là il est intact, donc on va peut-être pas insister. Quatre, on est en été, et on n'a pas assez pour acheter la technologie de traitement des légumineuses, donc effectivement c'est pas cet été-ci qu'on va récolter des légumineuses sauvages. Par contre la récolte de baies sauvages, ça passe bien. Je dis baies sauvages, mais les baies, on ne les domestiquera pas. Par la suite, on va planter des arbres fruitiers, mais les baies seront toujours sauvages. Six traîneaux, 18 personnes. On va rajouter 3 traîneaux, ça va nous consommer les 6 cuirs qu'on a actuellement. Ah, et on a des nouveaux venus. Est-ce que ça provoque la preuve? Ouais, peut-être falloir de
complètement d'été aussi pour eux. Oh oh! Ah ah! Nous allons récolter des légumineuses. Finalement. Grâce à cette immigration qui nous a fait gagner des points. Expansion, 20 personnes. 21 même. 21 personnes sur une capacité de 27, donc ça va. Nos nouveaux traîneaux sont en cours de fabrication. Ah ah, j'approuve. Ok, et ici on a une unité de légumineuses qui a été récoltée dans la nature. Ça paraît un petit peu ridicule par rapport à ce qu'on aura quand on aura l'agriculture nous-mêmes. Mais c'est déjà pas mal, ça varie un peu l'alimentation, ça nous permet de ne pas toucher à ces aliments-là avant l'hiver. Donc on est déjà dans une situation qui est pas mal sereine. D'ailleurs, non, c'est pas activité que je voulais, c'était les tâches, donc le 60%, ok. Charge de 60%, je peux peut-être ajouter l'ordre de couper quelques arbres. Continuer de développer cette zone. Ça va jusque là? Non, ça ne va pas jusque là. Toi, tu peux tomber. Ok, ça sera suffisant. Et on a ici des nouveaux arbres qui sont en train de pousser. C'est encore trop jeune pour qu'on nous indique ce que ça sera comme type d'arbre. Mais avec de la chance, ce sera des arbres dont on pourra extraire des fruits ou du tanin. Des arbres utiles. Alors, 10 arcs, 21 personnes, dont 7 enfants. Ça en fait 14 adultes. On va faire des arcs en plus. Et maintenant que les récoltes sont finies, à l'automne, on va faire un petit peu de chasse pour reconstituer nos réserves de peau. Et j'avais dit qu'on allait peut-être attaquer ça. Ouais. On va l'essayer. Est-ce que je vais le faire en version micro-gérée? Oui. Donc, sélectionner mes gens. En gardant H enfoncé, comme ça je sélectionne uniquement les gens qui ont des outils de chasse sur eux. On va les envoyer tous ici. Et quand ils seront bien regroupés là, on va attaquer ce mammouth. Voilà le chasseur qui arrive. Venez par là. Revenez par là. Attaquez-moi tout ça en groupe. Est-ce qu'il va se défendre le bougre? Il va se défendre avec tout l'enthousiasme qu'on peut attendre dans la route. Ok, ça s'est bien passé. Vous pouvez continuer à décider de vous-même ce qui se passe. Le commerçant. Je vais peut-être acheter ça. Quelques légumineuses pour cette année. Valeur totale 8. Bom 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 bom. Je vais te payer avec des os. Merci. Et des fruits se sont dégradés, donc ça va, on ne meurt pas de faim du tout. D'ailleurs, au niveau bien-être, ça doit être pas mal. Et c'est très très bien. C'était mérité de vivre.
Parce que j'ai des loups, donc. Petite famille de bouquetins ici. Au revoir. Quelque chose d'autre. Non, ça c'est des lions. Ok. Et on l'espère. Et maintenant que l'hiver arrive, on va les voir tous rentrer dans les maisons, rentrer dans les tentes de rangement, se changer, sortir avec des vêtements plus chauds. Pour affronter l'hiver. Alors, les vêtements chauds, évidemment, bah, outre que ça leur apporte du bien-être parce qu'ils sont habillés, ça fait aussi qu'ils peuvent rester en extérieur, en activité, plus longtemps avant de devoir rentrer se réchauffer dans une tente. Donc ça affecte aussi l'efficacité des gens. Sinon, on pourrait faire éventuellement 100. Avec le risque que des gens meurent d'hypothermie s'ils peuvent revenir de trop longtemps, enfin de trop loin, et que donc ils n'arrivent pas à rentrer chez eux avant d'être littéralement morts de froid. Donc ça serait quelque chose à tenter éventuellement de faire une partie où on n'essaye pas de les habiller, mais c'est risqué quoi. Ici on a tout ce qu'il nous fallait au Mésolithique, et pour passer au Néo, il va nous falloir 15 points de connaissance, donc on va les garder. La spiritualité attendra. Et au Néolithique, on va avoir des attaques, donc on va peut-être déjà faire des arcs. Monter une réserve de 20 arcs. Faire des lances en plus. Ou des couteaux. Je n'ai pas de couteau. Je n'ai pas de couteau. On va mettre les couteaux en production automatique. Hein. Ouais. On va mettre les couteaux et on va mettre les lances en production automatique pour être sûr d'en avoir. 25 habitants. 26 même, capacité 27, on va construire deux temps en temps plus. On va en mettre une ici. On va en mettre une ici. Ça nous fera un petit cercle d'habitation ici. Ça sera bien. Merci les chiens d'avoir prévenu de cette attaque. Bon, blesser un chien mais sans le tuer. Ou un vieux mâle gravement blessé comme ça, ça m'étonnerait qu'il tienne. Est-ce que tu vas t'en sortir, bonhomme? Et on dirait cuit, hein. On dirait cuit. Survécu à l'hiver, on a ramassé 250 bâtons. Il nous manque plus que 3 points pour pouvoir passer au Néolithique. Et alors au Néolithique, le gros changement qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir nos premières attaques par des tribus ennemies. Alors les attaques viennent d'autres tribus mais qu'on ne voit pas, vous pouvez vous promener n'importe où sur la carte, vous ne verrez jamais un autre village. D'ailleurs, faut vraiment aller loin avant de toucher le bord de la carte, elles sont très grandes. Mais vous ne verrez pas d'autres villages. Il y a des attaquants qui viennent d'un pays fort fort lointain. On est en mode normal, du coup, les attaquants vont avoir le même niveau technologique que nous. Ils vont avoir le même genre d'équipement que nous, les mêmes niveaux d'armes que nous.
Si on était en mode hardcore, les attaquants auraient leur propre développement technologique, donc si nous on avait traîné, on pourrait se retrouver avec une situation où on serait attaqué avec des armes en métal alors qu'on est en train de se défendre avec encore des lances en silex. Ça serait un petit peu difficile. Mais ici ça va. La seule chose, c'est comme dit, à partir du néolithique, on devra se soucier, c'est peut-être un grand mot, on devra prendre en compte le fait que de temps en temps on sera attaqué. L'entretien se passe bien. 15 points. Et on a terminé cette réserve ici de silex. Est-ce que je vais les envoyer par du silex? Oh, pas beaucoup plus loin. Pas beaucoup plus loin. Vous allez ramasser du silex ici. Merci. Ok, le printemps donc est bien entamé. Printemps, on ne récolte rien, donc on va profiter pour récolter la viande. Il y en a par ici, ouais, mais ici j'ai les carnivores aussi. Allez-y. Allez-y. Après tout, on est équipé maintenant. On a des arcs à flèches, on a des fronts, on a des lances. On a un arsenal pas possible. Commission élevée, donc non. Au revoir. Oh, quoique, je vais peut-être prendre les légumes. 6, ça fait 3 os. Est-ce que je prends du grain aussi? Ouais. 16. Ça nous fait 6 os. 8 os. C'est parti. Alors, ces arbres. Ces arbres, ça c'est un boulot. On s'en fout. Celui-ci, c'est encore indéterminé. Ça c'est un boulot, c'est pas ça que je voulais. Un être, c'est pas ça que je voulais. Boulot, allez-vous-en. Celui-ci, on avait dit qu'il était en dehors de la zone. Et ces arbres aussi, j'en ai besoin. Ces sapins, j'en ai besoin. Le sorbier, j'en ai besoin. Ok. Et le lion qui attaquait n'est plus. Très bien. On a eu un décès, un mort de vieillesse. C'est inévitable. 25 habitants, capacité 33, ça va. Et 18 points à la connaissance, on va pouvoir passer. Domestication des céréales, qui nous amène au néolithique. Alors, le néolithique, voilà, c'est un gros changement, c'est qu'on va pouvoir planter des céréales. Oui, je sais comment ça marche. On va planter des céréales, donc on va placer un premier champ, disons ici. On commence avec 3 variétés et on va varier ce qu'on plante, histoire que s'il y a une maladie qui affecte un des champs, il nous reste toujours les deux autres. On va dire que tout ça, voilà, tout ça, ça va être planté. Et je vais déjà mettre un emplacement de bottes de paille. Ah non, pas ici. Ici alors pour ranger la paille qu'on va récolter. Tout ceci va être planté au printemps suivant, donc c'est pas encore cette année qu'on va avoir des céréales, c'est l'année prochaine. Ça c'est un sorbier. Je vais déjà faire un petit peu de place peut-être d'ailleurs pour les prochaines cultures. Ça peut partir. En fait, je suis pas dans une zone de récolte, donc
Récoltez-moi ces poires et puis on va battre le poirier aussi. La récolte est en cours, un enfant à récolter, on peut la battre. On a des belles réserves de nourriture pour cette année. Est-ce que je m'intègre au mammouth avant qu'il disparaisse? D'ailleurs, je me demande. Oui, ils sont encore là, mais à un moment ils vont disparaître. On va prendre un beau groupe de chasseurs. Et on va aller à la chasse au mammouth. Venez tous ici. Merci. Ça vient? Ça vient. Ah, tous mes petits chasseurs qui arrivent. Vous allez traverser ici au passage à gué. Rassemblez-vous. Ceux qui veulent boire, pouvez boire, hein. Pas de soucis. Et alors celui-ci, ça c'est un vieux, on voit qu'il est un petit peu grisé. C'est un petit détail assez sympa, c'est que les animaux n'ont pas exactement la même apparence en fonction de leur âge. On distingue les vieux. Ça sera utile quand on veut faire de l'élevage et qu'on voudra en priorité abattre les vieux animaux. Garder les adultes, ceux qui peuvent encore avoir des petits, et abattre les vieux. Avant qu'il décède de même. Ok. Ils sont assez nombreux, ça devrait aller. Ok, ça s'est très bien passé ça. Vous allez enchaîner sur celui-là. Est-ce que j'ai un autre adulte dans le coin? Et puis ensuite, une fois que vous aurez abattu cet adulte là, on va tuer les deux petits aussi. Ok, tuer celui-là. Et on a 7 points de connaissance. Ça nous permet de prendre une technologie supplémentaire. Ok, et le dernier petit. Là, vous, je vais vous laisser faire avec tout ça, vous allez chasser, vous allez déposer, vous allez transporter. De l'espace a été libéré ici, cet arbre va être coupé à un moment. Et avec mes 7 points de connaissance, je vais prendre la domestication, oui, mais des légumineuses. Ce qui va me permettre de planter, ou en tout cas pour l'instant de déjà délimiter des champs. Bien au bon endroit. Ici on va faire un premier champ de pois. On va faire un champ de... Comment ça s'appelle déjà ça? Pétauverge, pétauverge, pétauverge. Servilliers. Je sais pas si, si ça se cultive encore. Des pois chiches. Parce que ça c'est toujours bien. Hop, et puis on va mettre voilà, une dernière parcelle de lentilles. Les légumineuses par contre seront plantées pendant l'hiver et seront récoltées pendant l'été. Les céréales sont plantées au printemps et sont récoltées à l'automne. Donc on va aussi s'assurer d'avoir assez de matériel de récolte. Je veux avoir des faux... Pour 50% de la population, oui, hein, ça devrait être assez, ça. On va les laisser faire. Peut-être prioritiser. Trois nouvelles personnes. Certaines personnes n'ont pas de vêtements chauds.
parmi les nouveaux arrivants. C'est pas grave, parce qu'au train où vont les choses, vous en aurez d'ici à ce qu'on soit en hiver. Ne vous inquiétez pas. Et là, on a des morceaux de mammouth qui arrivent. Tout va très bien. Bonjour le marchand. Qu'as-tu à vendre, marchand? Pas forcément de choses intéressantes. Allez, on va prendre quand même des légumes et des céréales pour l'hiver. Et on va te payer avec du bois. Comme on en a beaucoup, comme on a dégagé pas mal d'arbres. D'ailleurs, ces deux arbres aussi, ça c'est des boulots, ils peuvent dégager. J'avais pas dit qu'il fallait couper ça. C'est bon. Attaque d'ours. Ok, c'est bon, là j'ai en train de se défendre. Ah, mais l'ours a quand même fait une victime. Donc c'est les gens qui venaient récolter du silex qui ont été attaqués par des ours. Est-ce que j'ai d'autres ours dans le coin? C'était juste un adulte ou... Ah, c'est une vieille ours. Donc elle n'était pas accompagnée de petits qu'il faudrait que je l'élimine aussi. Ça va. On arrive à l'automne. On arrive à la fin de l'automne. Et on arrive à un poil plus de 40 minutes, donc je vais en rester là pour cet épisode-ci. Et donc on va reprendre... ensuite à l'hiver. Pour continuer la vie de notre petit groupe qui maintenant n'est plus si primitif que ça, vu qu'il est déjà au néolithique et qu'on est quand même 27 personnes. Vraiment. Même en comptant le récent décès, on est quand même 27 personnes dans ce petit groupe. Les choses se passent bien. Voilà. C'était JKB, c'était Dawn of Man. Et dans les médias, bah, à ciao, bonsoir.